Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour l'épisode 3. Donc voilà, on va enchaîner. Alors j'ai fait la vidéo tuto que pour ceux que vous aurez sans doute vu. Voilà, j'ai eu la canne à pêche et j'ai directement trouvé un Magikarp. Donc on a le Pokémon O. Donc quatrième Pokémon de l'équipe. Il nous reste plus que deux Pokémon à trouver. Et on est full Pokémon. Donc voilà, au bout de 3 épisodes quand même. C'est lourd. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo tuto comment avoir la première canne à pêche et puis en même temps avoir Magikarp au début de vidéo, voilà. Enfin de jeu pardon. Pokémon soigné, ouais c'est bon ça va le faire. Donc là on va faire le premier combat. C'est parti, je suis chaud bouillant. Allez là. Cette fois-ci, Zexka, il n'y aura pas de poquets. Je vais te détruire. Alors tu t'es amélioré au combat Pokémon. Moi, quelle question évidemment, je me suis amélioré. Tiens d'ailleurs, je vais te prouver, voilà. Parce qu'il y a une époque, j'ai affronté Zexka sur la DS et la console avait bugué, il avait retiré la cartouche ou fermé la DS, ce qui fait que ça buguait. Enfin, et encore. Enfin, et encore. Et encore, c'était pas sur comment dire, c'était pas sur ça. C'était sur Inazuma Eleven. Ouais, je confonds le jeu, mais voilà, c'est pareil. Au moins, tu vois, je peux, on va dire, entre guillemets, te battre sans que le truc il bug là. Ouh là là, ça bug. Ah, attendez. Ouh là là, je vais faire une petite coupure, les petits potes. On re tout de suite. Donc c'est parti. C'est arrangé. Donc on va faire charge. Par contre, level 7 quand même. Hein. Ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Hein. Ça envoie du steak. Hop, c'est parti. Alors. C'est parti, charge. Les tournis. Ok, vive attaque. Ça, il fait mal quand même. Il fait mal. Il envoie du lourd. Ok, nickel. Allez, charge. Ok. Bon, ok, il tank. C'est bien ça. Allez, je vais tuer. Ok, prochaine attaque, il meurt. Allez, boum. Allez, meurt. Boum, boum. Par contre, les animations des attaques, c'est lourd. Hein. Les attaques et tout sont bien faits. Franchement, c'est 10 sur 10. Oh, le coup critique. Le coup critique, mec, il me sert à rien. Hop, Magikarp. Ah, le Magikarp, il va évoluer en Léviator au bout de... Oh, ça va être lourd. Oh là 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 là. Je suis trop excité pour jouer à Diamant. Je vais penser qu'à ça. C'est une dinguerie. Hop, c'est parti. Alors, on voit feuillage, je pense, ça peut être pas mal. Je sais pas si c'est efficace ou pas. Ok, oulala la vache, un PV. Allez, 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 allez. Oh, j'aurais cru qu'il aurait fait masse dégâts, mais bon, ça Pokémon type feu, faut pas arriver quoi. C'est pas très efficace. Potion, je pense, parce que là, ça va être chaud time. Ok, utiliser une potion. Bam, on se heal. Fluffy. Oh, ça va, ça va. Allez, tank. Oh, gros yeux. Ok, nickel. C'est nickel. Comme ça, tu m'infliges pas de dégâts. Je pourrais utiliser charge. Lucicrème, c'est celui-là qui va me déranger. Heureusement, je vais avoir Léviator après. Ça, oh, là, franchement, ça va être lourd. Ah, oui, c'est vrai que j'ai pas une attaque de type Bailly. Oh. Je disais Bailly. Une attaque de type O, mais j'ai pas de Pokémon O. Pour l'instant, Léviator est pas encore disponible. Ah, ouais, mais je fais pas de dégâts. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que quoi? Et fuyage, juste par hasard, je fais pas de dégâts non plus. Ok, bon, je vais m'ouvrir avec Torticus, une certitude. Oui, je fais des dégâts ou pas? Ah ouais, un peu, mais c'est pas fou. Hein. Ouais, mais là, je vais mourir. Ah, le Whissicrab, il me donne du fil à retordre. Bah, allez, un Magikarp, désolé, je suis obligé de te sacrifier. Désolé hein, pour le rototo en même temps, il me semble que ça s'est entendu malheureusement. Voilà, il faut toujours un petit rototo dans la vidéo, sinon c'est pas une vidéo. Whissicrab, ok bah je tank, lol. Bah allez, hein, je vais soigner mon Torticus en même temps, je vais en profiter. Bon j'en profite. Hein. Allez. Tu moi là, Whissicrab, t'abuses, je suis un Magikarp. Oh, je vais te faire des trompettes dans ta face, tu vas voir fou. Ouais bah je suis foutu de toute façon je peux rien faire. Je peux rien faire. Trompette, ouhou, trompette, oh là là, c'est incroyable. Ok, KO. Donc là on va prendre Étourmi. Go. J'espère que le Étourmi il est bon avec une bonne nature et tout. Parce que ça peut être pas mal. Vive attaque. Et boum.
Allez, j'attaque. Ah ouais, mais il tank à mort. Je fais pas de dégâts en fait. Non. Ah ouais, il me faut un Pokémon haut à tout prix. Hein. Parce que là, ça va être compliqué hein, pour le passer sur le Pokémon haut, hein, cet enfoiré. Ok, bon, charge, ça va peut-être plus fort. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Wow, doucement, doucement. Ok, charge. Ah ouais, hein, mais je suis pas de dégâts. Bon, après, level 9 en soi, donc c'est compréhensif, mais. Ok, gros yeux. Après, puis l'ambiance, j'adore, mais j'adore l'ambiance. Les petites animations et tout, des sons, des attaques, c'est waouh. Waouh, bâtard, coup critique, le fils de. Ah, le coup critique. Ah, il abuse le frérot là. Ah, dernier petit effort, allez, Lexi, s'il te plaît, je compte sur toi parce que là, ça va être la dèche. Allez, éclair, comme ça tu paralyses s'il faut, éclair. Quand tu fais un coup critique, c'est abusé. Ok, il tank. Lexi tank plutôt bien. Oh, ok. Non. La paralysie ne poque pas. S'il te plaît, ok. Nickel. Allez, poque la paralysie ou tue-le. Ok, nickel. Voilà, on t'a battu, frérot. Voilà, c'est bon. Point d'expérience, ok, level 10 et le niveau 9 pour Lixi. Bah, logique, j'ai tué, donc j'ai plus de bonus. Chargeur, ok, pas mal. Ok, nickel. C'est nickel. Ou croissance, ok. Bah voilà, nickel. Premier combat contre notre rival et on a gagné. Mais c'est quoi ce délire? J'ai perdu. Ah, par contre, on voit quand même sur le visage qu'il est pas content. On le voit. Quoi? Comment ça j'ai perdu? Je te préviens, c'est pas prêt de se reproduire. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, tu vas voir. Je vais commencer par battre le champion de l'arène de Charbourg. Ok, ouais, bah, allez, si tu veux. Ah ouais, mais il m'a pas heal cet enfoiré. Bon, allez, on va aller se heal. Parce que je crois qu'il m'a pas heal, bien sûr. Bien évidemment. Ah, nickel, je peux jouer avec les boutons, j'avais pas fait gaffe. Ah, ça va être beaucoup mieux pour moi. Oh, ça va être beaucoup mieux. Je peux jouer avec les boutons. Parce que le joystick, il bug. Ok, 4 Pokémon. En vrai, on a une bonne équipe hein, en soi. Ok. Hop, à bientôt. Au revoir, infirmière Joël. Alors, nous, on va se rendre vite fait. Pour, de toute façon, pour et tout, on n'en a pas besoin. Pokéball, on est déjà en stock. Allez, hop. Ici, il n'y a pas de Pokémon intéressant à voir. Nous, on va tracer. Oui, bon, allez, premier combat. Enfin, deuxième. Enfin, en total, je crois que ça fait troisième combat. Allez. Qui est-ce qu'on voit? Lixi. Désolé pour le micro avec le casque. Ça a frotté sans faire exprès. Ah, voilà, ce Pokémon-là. Celui-là, c'est le plus merdique du jeu avec Kenotor. C'est dit, c'est fait. Celui-là, il est nul. Mais nul d'une violence. Mais incroyable. Ok, pillage. One shot, non? Enfin, level 7 quand même. Il n'est pas one shoté aussi facilement, dit donc. Ok. J'ai pas une attaque qui me vole sur les tournées, fait chier. Ok, nickel. Pas très efficace, mais ça fait mal. Ok, réchauffement. Baisse l'attaque. Ok, bon, c'est pas si grave que ça en soi. Je pense que je fais toujours aussi mal. Allez, s'il te plaît. Ah oui, quand même. Ah oui, non, ça pue du cul là. Ouh là là. Ok, un petit peu de dégâts, c'est super efficace en plus. Bon, t'as fini de baisser mes stats et tout là. Waouh. Je suis déjà nul en attaque, etc. Tu veux me mettre à zéro? Ça se passe comment là, frérot? Voilà, on va faire charge. Alors je vais te charger dessus, je vais te violer. Je vais te massacrer. Enfin, violer, bon, vous avez compris, je vais le massacrer quoi. Bon, on va pas jouer sur les mots non plus. Hein. Mais voilà, il est mort. Non mais là, avoir baissé mes stats à chaque fois. Là. Niveau 8 pour étourmi, pic-pic, s'il te plaît. Ah, pas encore. Pic-pic ou piqûre, là, ça aurait été bien, là. Et maintenant, c'est la force de la tristesse qui nous unit, mon Pokémon et moi. Ah, c'est pas mal comme proverbe. C'est pas mal. Voilà. Oh, mais non. Par exemple, faut tomber sur elle. J'ai trouvé un dresseur alors que je cherchais des Pokémon. Waouh. Incroyable. Alors, Vianna, la fillette, veut se battre. On voit un Kenotor. Ok. Torchy Pouce, go. Ok.
Remplissage, feuillage, fuyage. Allez, fuyage, ça devrait passer. Je le one shot logiquement. Je le 10. Voilà, il y a ah, même pas. Il tank. Putain. Allez, tu le. Bon, après, j'aurais été dans le rouge. Je pense que je l'aurais one shot. Hein, mais. Level 4, quoi. C'est un connecteur, s'il te plaît. Il devrait même pas tanker. Il est tellement nul ce Pokémon que. Voilà. Bon. Voilà, parfait. On voit Étourmi. Ah, là par contre, on va jouer avec le frérot Lixi, parce que Lixi va le faire très 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 mal avec l'attaque éclair. C'est parti. Allez Lixi, go. Go, go, go. Pulvérise-moi ce Étourmi de malheur. En plus, c'est une femelle. Ah bah, femelle contre femelle. Super efficace. Allez, boum. Oh, oh, le bonne chose. Ah oui, super efficace, c'était super efficace. Ah, là, tu l'as détruit. Tu l'as marre. Hop, parfait, level 5 pour Magikarp. Plus que 15 levels, il est voulu. Franchement, ça va aller vite hein, pour le Magikarp. J'ai hâte. Rose bouton. Je vais rester pour voir. Est-ce que ça va faire quelque chose ou pas, je sais pas. Charge, peut-être. Ça serait peut-être mieux que éclair. Peut-être. Je sais pas. Ouh, les dégâts. Bien sûr que oui. Ah, c'est une malédiction. Ça, c'est quoi? Rivalité. Insomnia. Ah, d'accord. Ok, bon, bah, si tu veux. Bon, je te tue avec charge. Boum. Parfait. Voilà, critique en plus. Bon, j'en avais pas besoin, mais bah, c'est pris. Vas-y, c'est cadeau. C'est bien pour le seum. Niveau 11 pour Étourmi. Étourmi. Tortipousse, c'est magnifique. Ok, nickel. Oh, c'est déjà fini. 352$. Parfait. Allez hop, on enchaîne. Faut qu'on fasse l'arène là. J'ai envie d'affronter un petit araignée là. Araignée, moi. Je sais même pas si ça se dit. J'invente des mots, moi. C'est incroyable. Et Tommy apparaît. On va prendre une fuite parce que je m'en fiche de toi. Je veux affronter le champion. Voilà. On s'en tape. Fuir. Fuir, fuir, fuir. Bon. Là, on va aller dans la grotte. On va voir Éclaquecroc. Éclaquecroc, pardon. On parle au vieux montagnard. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire le petit moustachu? Je vois que tu as un Pokémon. Une Pokémon, pardon. Ça ne fait pas très longtemps que tu es dresseur, non? Mais c'est super. Plus on est. Plus on est fou, de fou, plus on rit. Laisse-moi t'ouvrir cette CT et une application pour ta Pokémon. Ok. Par contre, là, on voit bien qu'il est un petit peu enveloppé quand même. Hein. On tient un CT, nickel, parmi l'enseignant avec Pokémon. Ouais, bon, en soi, on n'a plus besoin de maintenant. Hop. Allez, si tu veux. Allez, on connaît la chanson, s'il te plaît. Allez. Ok, capacité d'application Pokémon secrète pour franchir ce zèbre qui vous parle la route. Ok. Bon, bah, nickel. Allez, premier combat. Bah, allez, go. Avec Tortipousse, logiquement. On va faire les deux combats là et après on va se taper le champion pour clôturer cette vidéo, donc l'épisode 3. Je pense que ça va être pas mal. Eric, fan de camping, envoie un Lixi. Ok. Tortipousse, go. Intimidation. Ok. L'attaque de Tortipousse. Feuillage, hein. En vrai de vrai. Je pense que je fais des dégâts. J'espère. Ah oui, quand même. Ah, oh, oh, coup critique. Oh, lolo. Mais les coups critiques, ça y va, en fait, depuis, bah, depuis que j'ai commencé le jeu, ça y va, les coups critiques. Incroyable. Que ce soit pour moi ou en face, hein, que ce soit pour ma gueule ou pas, hein, ça y va. Hein. Je précise, au cas où, hein, parce que... Ah, voilà, dans les deux sens, quoi. Ça y va. Ok, Lixi, KO, parfait, votre équipe gagne. Ok, pratiquement un level pour chaque, c'est nickel. C'est nickel. Eric est battu. Regardez-moi ça avec sa tête de déprimé. Je manque un peu d'entraînement. Ah bah là, mon frérot, c'est même pas qu'un peu. Surtout avec un seul Pokémon de l'équipe, tu vas pas faire grand-chose. Hop, allez, on affronte la fillette. Allez, go, go, go. Je vais te marave aussi. J'ai réussi à traverser cette grotte. Pour fêter ça, je vais t'affronter. Franchement, c'est nostalgique, les grottes et tout. C'est tellement bien fait. C'est en mieux, en fait. C'est incroyable. Franchement, le jeu, c'est le jeu que je vais le recommencer plusieurs fois. Je suis obligé. C'est waouh. Tortipousse, go. Ok. Ben, charge, je suppose. S'il te plaît, fais mal. Ok, moitié. Bon, c'est pas mal, c'est bien. C'est un bon début. Ok.
Voilà. Ok. Donc là, logiquement, le tue. J'espère. Ok. Nickel. Oh, ce bouton est mis KO. Ok, on gagne un level pour chaque. Ah non, presque. Pour chaque combat, on gagne un level. Ah, Psycho-Quack. Psycho-Quack. Ah, lui, je m'en souviendrai toujours. Lui. Psycho-Quack. Incroyable. Ah, s'il fait mal, c'est le gris. Ok, le météo se disperse. Ok. On fuage. Je vais te one-shot, mon coco Psycho-Quack. Là, tu vas avoir un mal de crâne, mais terrible. Mais terrible de chez terrible. Bon, j'allais dire, en plus de ça, je t'ai mis un critique. Ça aurait été trop beau. Boum. Level 9, 10, 6. Ok, pas mal. Elle a une attaque pour les fourmis cruelles. Oh oui, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. Et Tormi va devenir un petit peu plus efficace et utile pour la team. Donc c'est nickel. Pour l'instant, Magikarp, il est là en tant que visiteur, en tant que bébé, quoi. On est vraiment en train de chouchouter, le monter de level tout seul. Voilà, il sera utile plus tard. Moi, par contre, ce qu'il faudra, ce sera... Bah, après, Tormi va faire le taf après pour la deuxième arène. Alors, salut dresseur, tu n'as quoi un badge, les autres dresseurs vont te regarder de haut. Alors, laisse-moi te montrer où se trouve la reine de notre ville. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Tiens, il y a quelqu'un devant la reine. Oh, mais qui est-ce donc, dis donc. Je m'attendais pas à ça, dis donc. Hein? Oh, c'est toi, Tao. T'as enfin... t'arrives enfin. Tu traînes toujours autant. Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps. Il a dit que le Wandré allait à la mine de charbon. Je dis ça, je dis rien, tu fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, j'ai déjà mon badge. L'enfoiré. Ok. Bon. Mais. Oh. Mais. Joystick 2. Incroyable, ça. Ok. Ah là 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 là. Que des souvenirs, bordel. Oh. Ça tâte de fou. Oh. La petite Pokéball à récupérer là, capsule défense, avec les Onyx et tout qui tombe. Ah ouais, les Onyx. Oh, t'as tellement de Pokémon à voir. Oh, nouveau Pokémon. Ah, même pas, ouais. Même pas, ok. Bah, je sais pas, il n'y a plus l'animation que le dresseur, pourtant il me semble. C'est bizarre. Bon. Oh, je prends l'XP à mort. Oh là 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 là. One shot, mon petit tortue pour ça. Oh, presque, c'est beau ça. On pleure. Ah non, même pas charge. Ok. Oh, mais pour XP, ça va être lourd ici. En vrai, ça peut être lourd. Pour XP, mon petit tortipousse. Bon, en vrai, j'en ai pas besoin. Là, je peux la reine facilement, je pense. Faut pas parler plus trop vite non plus. Mais voilà, quoi. J'y crois. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Allez, hop. Ok, on arrive en bas. Hop, hop. Ah! Arrête de bugger. Quand on descend, la petite Pokéball, on prend potion. Ok, d'accord. T'as l'ambiance et tout. Ah, ça fait bizarre, ça fait longtemps que je suis pas venu ici dans cette mine. Hein. Oh, Pokémon, qui est-ce? Onyx? Ah, Rakaillou. Ben, ce Rakaillou-là va nous permettre de passer un level sur quelques-uns de Pokémon. Donc, ça, c'est cool. On va se le faire. C'est parti. Pour ben, d'ailleurs, mon petit Tortipousse qui va passer level 12. Donc, ça, c'est cool. Et boum! Super efficace, hop, ou l'armure, ok, pourquoi pas, de toute façon tu vas mourir mon coco. Allez, défense sur un caillou sauvage augmente, hop, feuillage, allez, bam, ok, racaillou est fait, super efficace, ok, battu, level 12 pour ton petit pouce, et level 7 pour Magica. Oula, j'ai loqué. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je parle vite aussi. Je suis excité. C'est un truc de ouf. C'est pour ça. Je suis désolé. Alors, on parle à Monsieur Péric. Recule un peu et regarde. Grâce à la capacité secrète, je peux réduire et en poussière le rocher qui bloque le passage. Bam. Ah, on voit une petite animation avec le point. C'est pas mal. C'est important de faire ça après un éboulement. Bah, je noterai. Je pourrais toi aussi détruire les rochers qui te barrent la route. Ok. Bien sûr, ça pourra. Tu dois d'abord me vaincre, champion d'arène, c'est-à-dire moi. Ok. Eh ben on va aller te vaincre, suffit de demander. Par contre, Jurassic, je vais te marave, vivement que je change. Même en fait, si je joue avec les boutons, ben, Jurassic, il va jouer tout seul, voilà. Il va se toucher tout seul, il va faire joujou tout seul, et puis il va m'embêter. Donc c'est pas bon. Est-ce que je peux faire fuite, s'il te plaît? J'ai pas le temps. Je vais soigner mon Pokémon, et puis voilà.
Donc, on se retrouve devant l'arène et avec l'équipe soignée. Donc, nous voilà devant l'arène. C'est parti, notre équipe est soignée. Donc, plus qu'à affronter le champion. Et puis voilà. Donc, oh là là, l'arène. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oh là 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 là. Donc, avec tout, dure un petit peu plus longtemps du coup, vu qu'on va faire l'arène. Donc, voilà. Hop, on enchaîne le premier combat. Alors, t'as pas fait le tour. Voyons ce que ça cache. Ok. Là, comme ça nous fait de l'XP gratuit, mais qui sont assez haut level logiquement. Ou des points d'interrogation, ça dépend, je sais pas. Donc, Justin, le gamin. Justine, enfin, Justine. Oui, Justin. Tortipousse Go. Donc là, on voit le one shot, peut-être, je sais pas. Il va résister, hein, je pense, mais au moins, voilà quoi. Racaillou, tu es charge. Ok. Donc là, il est mort en deux coups. Voilà. Comme ça va être fait. Nickel. Alors. Ok. Donc, ça, c'est fait. On gagne le level. Ok, level 10, level 11. Parfait. C'est nickel, tout ça. Franchement, ça prend forme. Hein. Ça prend forme. Voilà, franchement, il va nous mettre tellement bien cette arène. Cette arène va nous faire peut-être évoluer un Pokémon pour cet épisode-là. Peut-être. Allez, on enchaîne. Hop, on enchaîne. Le deuxième, garde du corps de Pierrick. Seuls les dresseurs les plus déterminés peuvent relever les défis représentent une arène. Ok, ben, pas de soucis, mon frérot. On va l'avoir, ce premier badge. Kit ou double, je l'aurai. Alors, on voit Racaillou. C'est parti. Alors, première arène. Tadam. Les petites musiques, l'ambiance là. Ah, j'adore, j'adore. Bam. Et tu spéages. Oh là là, one shot. Ah ouais, level 8 quand même. Hein. Oh. Oh là 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 là. Magnifique. Hop, XP. Bon, on n'a pas gagné de level, mais bon, c'est pas grave. Onyx. Ok, bah ouais, je garde Tortue Plus, sur la seule pour ce choix. Level 8 aussi, moi peut-être le one shot. C'est lourd. Ok, feuillage. Ah, j'en ai 40. Ah ouais. C'est une dinguerie, ça aussi, je l'ai pas vu. 40 feuillages. Oh. Alors, ok, bon, bah allez, hop, one shot. Ah, il tank. Alors, on enchaîne. Nickel. Ok, anti-air. Ouf. Feuillage. Allez, des dégâts. Oh, le demi-shot qui passe. C'est nickel. Le joueur français qui tue le Onyx et qui gagne un level. Level 13, plus que 2 levels. 4 levels. Il évolue Trancherbe. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Le Trancherbe, qu'on l'apprend avec plaisir, mais de bien sûr qu'on l'apprend. À la place de croissance. Ah, ça me sert à rien, mais... Peut-être repli. Repli, on voit ça peut, ça, si ça peut me servir, mais allez, balèque. L'attaque, ça peut être pas mal, on voit peut-être, pourquoi pas. Apprends Trancherbe. Allez, hop. Parfait, niveau 8 pour Magikarp, c'est beau ça. Ok, donc là, on va passer au champion. C'est parti, calculation. 416$, et c'est parti. Attention, moment intense. Bienvenue à l'arène de Charbourg. Je suis Pierrick, le champion d'arène. Je combats fièrement aux côtés de Pokémon Roche. Bien, montre-moi tes compétences de dresseur et la force de tes Pokémon. Oh là 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 là! Premier badge des petits potes de diamant étincelant. C'est parti! On affronte, Pierrick, voilà, de type Roche. C'est parti! Que le meilleur gagne! Voilà, voilà. Allez, c'est parti, Tao. On voit Tortipousse. Contre Racaillou de Pierrick. Tortipousse qui va utiliser une attaque feuillage, je pense, ou Trancherbe. On va tester Trancherbe pour voir ce que ça donne. C'est parti, première attaque qui one shot, voilà, littéralement le Racaillou en face de Pierrick. En mode commentary, voilà, j'adore. Votre équipe a gagné point d'expérience, donc voilà, qui permet de gagner à level 8 en mi pour ce premier combat qui est déjà plutôt victorieux. Plutôt bon pour Tao. Voilà, Aonix est envoyé du côté de Pierrick. Allez, c'est parti. Du côté de Tao qui garde Tortipousse. Alors, Aonix vs Tortipousse qui gagne level 12, level 13. C'est assez serré quand même. Donc, Trancherbe, encore une fois, vu que ça a l'air de faire le taf. Piège de roc posé par Aonix côté Pierrick. Bon,
pas trop utile, je vous cache pas. Idée bête de leur part. Qui se font quasi shot, one shot, voilà, par l'attaque tranchère de Tortipus, qui respam une nouvelle fois tranchère, voilà. Et logiquement, au prochain tour, il est mort. Donc là, bon, pareil un peu trop vite. Onyx, donc Pyrix, qui claque une popo sur Onyx, mais qui se fait pratiquement shot par l'attaque tranchère, qui va se faire finir par l'attaque feuillage. Et Retuzi, encore une fois, une potion sur Onyx. Ok, incroyable, double potion pour la première arène. Ok, j'attendais pas qu'elle ait deux potions, peut-être une, ok, mais pas deux. Bon, l'attaque feuillage fait moins de dégâts que tranchère, donc on va utiliser tranchère. Et là, logiquement, il meurt, voilà. Il utilise jet pierre sur Tortipus, qui fait très peu de dégâts. Et Tortipus qui doit finir avec une attaque tranchère pour clôturer ce combat face à Onyx. C'est magnifique. Nickel. Et là, on gagne un level. Voilà, level 14, bientôt l'évolution. Elexi level 12, c'est lourd. Elexi montre level 12. C'est parfait. Va prendre morsure. Donc ça, ouais, c'est une bonne idée. À la place de quoi, je ne sais pas. Gros yeux, du coup. Hop, c'est parti. Franchement, ça prend forme. Ça prend forme. C'est pas mal du tout. C'est nickel. Hop. Allez, nickel. Le champion d'Eric envoie le dernier Pokémon, Kranidos. Voilà, le meilleur Pokémon de côté de Pyrrhic pour la finale. Ce Pokémon sera le plus coriace que les précédents. Allez, c'est parti, le Big Boss. Oh, l'animation qui fait plaisir, l'animation qui est incroyable par le champion d'arène. Le dernier, le L14 quand même, qui envoie du lourd, du steak. On va voir si Tortipus va réussir à passer le Kranidos. Kranidos, pardon. Coup de boule qui one-shot presque le Tortipus, et le Tortipus qui tue en one shot le Pokémon. Oh là 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 là, c'est incroyable. Tortipus, le monstre qui résiste à 2 PV et one shot le dernier Pokémon de Pyrrhic. C'est incroyable ce qui se passe là. Voilà, je lui fais moi le commentaire, mais c'est incroyable. Incroyable. Magikarp qui passe à level, et tant mieux pareil. Et on a battu le champion d'arène, Tortipus. Franchement, le best ever. Voilà, que dire de plus? Quoi, impossible, j'ai été montré ces Pokémon. Ouais, mais voilà, quand j'ai Tortipus, je suis un ancien maître de Ligue Pokémon. Voilà quoi. C'est un peu embarrassant, mais par contre, un dresseur n'a même pas de badge. De perdre contre un dresseur qui n'a pas de badge. Mais c'est comme ça, tu as été plus fort que moi, c'est tout. D'après le règlement de la Ligue, je dois te donner le badge de notre arène, puisque tu m'as battu. Voilà le badge officiel de la Ligue Pokémon. Premier badge, les petits potes. Nice! C'est nice tout ça. Bon. Eric vous donne le badge de charbon, c'est parfait. Bon, en plus, il a les bruits, les animations, et c'est beau, c'est magnifique. Ok, donc on peut. Ok, une CT, c'est quoi? Une bonne CT, s'il te plaît, ça serait cool. Non, piège de rock, ok, ça pourrait. Ouais, bah, non, c'est pas utile en vrai. Ok, nickel, c'est bon. Bon, allez là, ok, nickel, bon. C'est tout pour cette vidéo les petits potes, maximum de pouces bleus pour cet épisode incroyable, pour cette fin de vidéo juste magnifique. Bon, voilà, maximum de pouces bleus, de commentaires, d'abonnement s'il vous plaît. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour découvrir la suite des épisodes du Let's Play. Des vidéos tuto disponibles, des vidéos tuto disponibles sur la playlist, donc n'hésitez pas à les check. Et sur ce, on se retrouve pour l'épisode 4 prochainement. Peace.